Bonsoir à tous, c'est Zeda, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce que la plupart des utilisateurs WhatsApp ne connaissent pas et pourtant elle est très très importante. Donc avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc l'astuce d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui utilise notre numéro de téléphone. Donc il peut voir les messages, les appels, tout ce que vous envoyez, ce que vous recevez sans le savoir. Donc vous cliquez sur la WhatsApp, ensuite sur ces trois points, vous cliquez ensuite sur appareil connecté. Là vous aurez directement le nom du téléphone qui s'est connecté avec votre numéro de téléphone. Donc vous ne recevez aucun message, ils ne vont pas vous envoyer un message pour vous dire il y a un autre appareil qui essaye de se connecter. Donc si vous donnez votre téléphone à quelqu'un soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas, et peut directement se connecter avec votre compte sans le savoir. Donc comme je vous ai dit, vous n'allez pas recevoir un message. Donc, ici vous aurez l'appareil qui s'est connecté. Comme je vous ai dit, même le nom, c'est très simple, vous cliquez juste sur l'appareil. Là pour moi, il n'y a personne qui s'est connecté avec mon numéro de téléphone. Donc, vous cliquez sur l'appareil et vous cliquez directement sur se déconnecter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.